L'Ashtavakra Gita. Chapitre 7. Océan infini. Janaka dit : c'est dans l'océan infini de moi-même que le vaisseau du monde dérive ici et là, mu par son propre vent intérieur. Cela ne me perturbe nullement. Que par sa nature, la vague du monde se lève ou disparaisse dans l'océan infini de moi-même, je n'y gagne ou n'y perds rien du tout. C'est dans l'océan infini de moi-même que prend place la création mentale qui porte le nom de monde. Je suis suprêmement en paix et sans forme, et comme tel, je demeure. Ma vraie nature ne se trouve pas plus dans des objets que des objets n'existent en elle, car elle est infinie et immaculée. Elle est donc délié, sans désir, et en paix, et comme tel, je demeure. Oui, je ne suis que la pure conscience, et le monde est tel le spectacle d'un prestidigitateur. Alors, comment pourrais-je imaginer qu'il puisse s'y trouver quelque chose à accepter ou à rejeter? Chapitre 8. Esprit. Ashtavakra dit: il y a asservissement quand l'esprit aspire à quelque chose, se chagrine de quelque chose, rejette quelque chose, maintient quelque chose, se satisfait de quelque chose ou se contrarie au sujet de quelque chose. La libération signifie que l'esprit n'a plus soif de rien, qu'il ne se lamente plus de rien, qu'il ne rejette plus rien, qu'il ne retient plus rien, et qu'il n'est ni content ni mécontent. Il y a asservissement quand l'esprit est empêtré dans l'un des cinq sens, et la libération, c'est quand l'esprit n'est emmêlé dans aucun des sens. L'absence de moi est libération. La présence du moi est servitude. Médite cela attentivement. Ne t'accroche à rien, ne rejette rien. Chapitre 9. Détachement. Ashtavakra dit : lorsque le dualisme de ce qui a été fait et défait a été laissé au repos, ou que la personne pour laquelle il se produit est en paix, cela te permet, ici et maintenant, d'aller au-delà du renoncement et des obligations en leur étant indifférent. Rare, en effet, mon enfant, est l'homme chanceux dont l'observation du comportement du monde l'a conduit à l'extinction de sa soif de vivre, de sa soif de plaisir et de sa soif de connaissance.
tout cela est impermanent et gâché par les trois sortes de douleurs. Le sachant inconsistant, dénué de substance et tout juste bon pour le rejet, on atteint la paix. Y a-t-il jamais eu un âge ou une période de la vie où le dualisme des extrêmes n'existait pas pour les hommes? En les abandonnant, une personne heureuse de prendre ce qui vient atteint la perfection. Il y a une foule d'opinions parmi les sages, les sadhus et les yogis. Si on s'en aperçoit, on parviendra à une neutralité certaine et ainsi n'obtiendra-t-on pas la paix? Est-ce que le véritable maître spirituel n'est pas celui qui, détaché de tout et rempli de sérénité, atteint la pleine connaissance de la nature de la conscience et ainsi guide les autres pour sortir du samsara? Si tu voyais simplement les transformations des éléments comme rien de plus que les éléments eux-mêmes, alors tu serais immédiatement affranchi de tout lien et établi dans ta propre nature. Renonce à tous tes désirs conditionnés en t'apercevant que ce sont eux qui constituent le monde. On se détache du monde en abandonnant les désirs, renonçant à cela, ayant abandonné ces conditionnements, tu peux dès maintenant demeurer n'importe où. Chapitre 10. Le désir. Ashtavakra dit: abandonne le désir, cet ennemi, ainsi que les richesses qui ne sont qu'un tissu d'absurdité. Abandonne aussi ces actes qui, même en paraissant justes, mènent à l'obtention des deux buts précédents. En tout lieu, sois neutre. Considère ces choses telles que les amis, la terre, l'argent, les biens, les épouses et les héritages, comme rien d'autre qu'un rêve ou un tour de prestidigitateur d'une durée de quelques jours. À chaque fois qu'un désir se fait sentir, vois en lui le samsara. En t'établissant fermement dans le détachement, sois libre des passions et heureux. La nature essentielle de la servitude n'est autre que le désir, et son élimination porte le nom de libération. C'est tout simplement en ne s'attachant pas à ce qui est changeant que l'on atteint la joie éternelle de l'épanouissement. Tu es un, conscient et pur, tandis que tout cela n'est que non-être inerte. L'ignorance elle-même n'est rien, alors à quoi bon vouloir comprendre ? Royaume, enfant, épouse, corps, plaisir, vie après vie, tu les as tous perdus,
tellement tu y étais attaché. Assez de la richesse, de la sensualité et des actes de bonté. Dans la forêt du cycle des renaissances, l'esprit n'a jamais en eux trouvé la moindre satisfaction. Combien de vies de durs et douloureux labeurs effectués au moyen du corps, de l'esprit et de la parole n'as-tu pas traversé? Maintenant, arrête enfin. Chapitre 11. Silence. Ashtavakra dit: impassible et libre de la détresse, réalisant qu'être, non-être et changement sont de la nature même des choses, on trouve facilement la paix. En paix, s'étant dépouillé de tous les désirs au-dedans, et ayant réalisé que rien n'existe ici que le Seigneur, le Créateur de toutes choses, nous ne sommes plus attachés à rien. En se rendant compte que le malheur et le bonheur se produisent d'eux-mêmes du fait de la destinée, nous demeurons satisfaits, nos sens sous contrôle, et nous n'aimons ni ne haïssons. Voyant que le plaisir et la douleur, la naissance et la mort viennent du destin, et que nos désirs ne peuvent être assouvis, nous restons inactifs, et même lorsque nous agissons, nous ne nous attachons pas. On doit être persuadé que les souffrances sont produites par l'agitation mentale. Il n'en va pas autrement en ce monde. Si on se débarrasse de celle-ci, on est heureux, paisible et libre de tout point d'attache. On doit être persuadé de ceci. Je ne suis pas le corps, je n'ai pas de corps, je suis la conscience pure. De cette façon, on est proche de l'unique, et l'on ne se souvient plus de ce qu'on a omis de faire ou de ce qu'on a fait. On est complètement libéré de la culpabilité. En réalisant, je suis le seul qui existe, de Brahma au dernier brin d'herbe. Je deviens libre de l'incertitude, pur, en paix, et non soucieux de ce qui a été atteint ou pas. En se rendant compte que ce monde varié et merveilleux tout entier n'est rien, on devient pure réceptivité et libre des penchants, et comme si rien n'existait, on trouve la paix. Chapitre 12. Accomplissement. Janaka dit: j'ai d'abord détesté l'activité physique, puis les longs discours, et enfin la pensée elle-même. C'est pourquoi je demeure bien enraciné en moi-même, tel quel.
l'absence à la fois de tout plaisir pris dans le son et autres perceptions sensorielles, et du fait que je ne suis moi-même pas un objet des sens, mon esprit est focalisé et libéré de toute distraction, ce qui explique pourquoi je demeure bien enraciné en moi-même, tel quel. Quand les distractions couvrent complètement le soi, on doit être actif en accomplissant des pratiques spirituelles pour atteindre l'absorption, le samadhi. En gardant présent à l'esprit cette règle, je demeure bien enraciné en moi-même. En abandonnant les sentiments de rejet et d'acceptation, le plaisir et la déception ayant aujourd'hui cessé, je demeure bien enraciné en moi-même. La vie dans une communauté, puis aller au-delà d'un tel état, la méditation et l'élimination des concepts au moyen desquels j'ai vu mon erreur, je demeure à présent bien enraciné en moi-même. Tout comme l'exécution des actions est due à l'ignorance, leur abandon l'est aussi. En reconnaissant pleinement cette vérité, je demeure maintenant enraciné en moi-même. Essayer de penser à ce à quoi on ne peut pas penser est un acte non naturel pour la pensée. Ayant par conséquent abandonné telle pratique, je demeure bien enraciné en moi-même. Celui qui a réalisé ceci a atteint l'objectif de la vie. Celui dont la nature est ainsi a fait ce qui doit être fait. Chapitre 13. Bonheur. Janaka dit : la liberté intérieure de ne rien posséder est difficile à atteindre, même en n'ayant qu'un simple pagne, mais je vis comme il me plaît, en abandonnant à la fois le renoncement et l'acquisition. Parfois, on éprouve de la détresse en raison du corps, parfois en raison de sa parole, et parfois en raison de son esprit. Les abandonnant tous, je vis comme il me plaît dans l'accomplissement de l'existence humaine. Reconnaissant qu'en réalité jamais un acte n'est commis, je vis comme il me plaît, accomplissant seulement et simplement ce qui se présente. Les yogis qui s'identifient avec leur corps insistent sur l'accomplissement de certaines actions et sur l'évitement d'autres actions. Mais je vis comme il me plaît, en abandonnant l'attachement et le rejet. Je n'y gagne pas plus que je n'y perds à me tenir debout, à marcher ou à être couché. Par conséquent, je vis comme il me plaît, que je sois debout, que je marche ou que je dorme. Je ne perds rien en dormant et ne gagne rien par l'effort. Donc par conséquent, je vis comme il me plaît, en abandonnant le succès et l'échec.
ayant en permanence conscience des désavantages que représentent les choses plaisantes, je vis comme il me plaît, abandonnant le plaisant et le déplaisant. Chapitre 14. Un idiot. Janaka dit : celui qui a un esprit vide par nature pense aux objets sans y penser, comme par inattention. Il se trouve dans un état de sommeil éveillé et il est libéré de l'emprise du passé. Une fois mon désir éliminé, je ne possède ni richesse, ni amis, ni voleur, ni cinq sens, ni écriture, ni connaissance. Réalisant à la fois ma suprême nature propre en la personne du témoin, le Seigneur, et l'état dénué de tout désir, que ce soit dans la servitude ou dans la libération, je ne ressens aucune envie de libération. Les divers états de celui qui est libéré du doute au-dedans et qui au-dehors flâne comme il lui plaît, tel un idiot, ne peuvent être connus que de quelqu'un qui est dans le même état. Chapitre 15. Pure conscience. Ashtavakra dit : celui qui maintient la partie supérieure de son esprit dans la pureté est comblé par un enseignement même s'il est donné fortuitement. Par contre, quelqu'un d'autre, bien qu'ayant été un chercheur toute sa vie, demeure dans la confusion. La libération est aversion pour les objets des sens. La servitude est amour des sens. Voilà la connaissance. Maintenant, fais comme il te plaît. Cette prise de conscience de la vérité rend intelligent un homme éloquent et rend muet, stupide et paresseux un homme énergique. Aussi, elle est évitée par ceux dont le but est le plaisir. Tu n'es pas le corps, tu n'as pas de corps, et tu n'es pas l'auteur des actions, pas plus que celui qui récolte leurs conséquences. Tu es pure conscience éternellement, le témoin qui n'a besoin de rien. Alors, vis heureux. Le désir et la colère sont des objets du mental, mais le mental ne t'appartient pas plus qu'il ne t'a jamais appartenu. Tu es la conscience sans choix et immuable elle-même. Va dans la joie. Une fois que tu sais que la conscience est dans tous les êtres, et que tous les êtres sont dans la conscience, tu deviens dépourvu d'ego et de sens du moi. Alors sois heureux. Ta nature est la conscience d'où jaillit le monde entier, comme les vagues de la mer. C'est ce que tu es, sans aucun doute. Donc, sois libre du trouble.
Aie confiance, mon enfant, et la foi. Ne te laisse pas leurrer. Tu es toi-même le Seigneur, dont la nature même est connaissance, et tu es au-delà de la causalité naturelle. Le corps, investi d'essence, se tient immobile, va et vient. Toi-même, ni ne viens, ni ne va. Alors, pourquoi te préoccuper de cela? Que le corps dure jusqu'à la fin de cette ère, ou qu'il prenne fin maintenant. Qu'as-tu gagné ou perdu, toi qui n'es que pure conscience? Laisse en toi le grand océan, la vague du monde, se lever et se résorber en fonction de sa propre nature. Ce n'est pour toi ni un gain, ni une perte. Mon enfant, tu n'es que pure conscience, et le monde n'est pas séparé de toi. Alors, qui peut l'accepter ou le refuser, et comment, et pourquoi ? Comment la naissance, le karma ou la responsabilité peuvent-ils se produire dans cette conscience une, immuable, pacifique, sans tâche et infinie que tu es? Tout ce que tu vois est toi manifesté. Comment les bracelets, les brassards et les anneaux de cheville pourraient-ils être différents de l'or qui les compose? Abandonne vraiment cette séparation qui te fait dire « Je suis ceci, je ne suis pas cela ». Sois persuadé que tout est ton soi. Laisse aller toute volonté rigide. Et sois heureux. C'est par ton ignorance que le monde apparaît. En réalité, toi seul existes. En dehors de toi, il n'y a personne à l'intérieur, ni au-delà du cycle des renaissances. Sachant que tout ceci n'est qu'illusion, on devient libre du désir, réceptivité pure et en paix, comme si rien n'existait. Une seule chose a existé, existe et existera dans l'océan de l'être. Tu n'es sujet ni à l'asservissement, ni à la libération. Vis heureux et comblé. Étant pure conscience, ne dérange pas ton esprit avec des pensées de pour et de contre. Sois en paix et demeure heureux en toi-même, l'essence de la joie. Abandonne entièrement la méditation, mais ne laisse pas ton esprit s'attarder sur quoi que ce soit. Tu es libre par nature. Aussi, que réaliseras-tu en forçant ton esprit? Chapitre 16. Tout oublié. Ashtavakra dit: « Mon enfant,
tu peux réciter ou écouter d'innombrables écritures. Mais tant que tu n'auras pas tout oublié, tu ne seras pas établi dans le soi. Il se peut qu'en tant qu'homme instruit, tu te livres à la prospérité, à l'activité et à la méditation. Mais ton esprit se languira tout de même pour cela, qui est la cessation du désir et au-delà de tous les objectifs. Les uns se font souffrir avec toutes sortes d'efforts pénibles, mais n'atteignent pas la connaissance réelle, tandis que d'autres, plus fortunés, parviennent au silence du mental par ce seul enseignement. Le bonheur n'appartient à personne d'autre qu'à cet homme suprêmement paresseux, pour qui même le fait d'ouvrir et de fermer les yeux est source de nuisance. Quand l'esprit est libéré des paires d'opposés, comme « j'ai fait ceci » et « je n'ai pas fait cela », il devient indifférent au mérite, à la richesse, à la sensualité et à la libération. Un homme est sobre et répugné par les sens. Un autre est avide et attaché à eux. Mais celui qui est libéré à la fois des faits de prendre et de rejeter n'est ni sobre ni avide. Tant que demeure le désir, ou état d'absence de discrimination, les sentiments de répulsion et d'attraction demeurent. Ils sont la racine et la branche du samsara. L'activité favorise l'attachement, l'inactivité, l'aversion. Le sage ne se retrouve pas dans les paires d'opposés, il est comme un enfant, et c'est dans cet état seulement qu'il est bien enraciné. L'être passionné veut éliminer le monde afin d'éviter la douleur. Mais l'être détaché est libre de la douleur et n'est pas affligé, même lorsqu'il se trouve dans le monde. Celui qui met autant d'orgueil et de sens du moi dans la recherche de la libération que dans le corps ne mérite ni le nom de connaissant, ni celui de yogi. Il ne fait qu'accumuler les souffrances. Si même Shiva, Vishnu ou Brahma, né du lotus, étaient tes instructeurs, tant que tu n'as pas tout oublié, tu ne peux pas être établi dans le soi.